Salut tout le monde, c'est Katast et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Rise of the Tomb Raider où on va poursuivre après avoir vaincu un ours terrible et terrifiant et infâme et putride pour, eh bien, continuer notre recherche afin d'affronter la terrible secte des Trinitaires qui semble ne pas être tout à fait commode de ce qu'on a pu en voir pour le moment. Donc nous allons nous plonger dans de l'eau gelée, ce qui n'est jamais une bonne idée de manière générale. Pour tout simplement avancer. Maintenez LT pour plonger. Donc ça on l'avait déjà vu hein, les amis. Maintenez LT pour plonger, on avait déjà eu l'occasion de le voir. Et relâchez LT pour refaire surface. Très bien. Ça doit être infâme. Regardez, hop, là on peut passer. C'est pas là qu'il nous faut nous rendre, mais il y a un petit élément caché. On va en profiter. Hop, X. X. Je suis devant là. S'il te plaît. Merci. Merci, merci. Un PESA. C'est une sorte de passeport. Son détenteur était un représentant de l'Empire mongol. Ah, ça vibre. Ça dit, par le pouvoir des cieux éternels, sur ordre de l'empereur, quiconque manque de respect est coupable d'un crime. D'accord. Ok, on obtient un peu de compétence en mongol. Et des petits boulons, finalement. Voilà, voilà. Refais surface, Lara. Et hop, on maintient B pour nager un peu plus vite sous l'eau. Je sais pas combien de temps on peut rester sous l'eau. On fait le test, les amis. Petit test de plongée. Combien de temps Lara peut-elle survivre sous cette eau gelée? Elle commence déjà à prendre des dégâts, très bien. Évitons les bêtises. Du sang sur l'écran, c'est jamais une bonne nouvelle, même si c'est l'eau gelée. Nouveau feu de camp découvert, très bien, passage mongol. Très bien, on va pouvoir du coup se TP de cette zone à la précédente. On a une destination disponible et une amélioration d'armes également. Que peut-on prendre? Ceci. Le tranchant futé de la lame permet de pénétrer plus avant dans les ouvertures pour un meilleur mouvement de levier et une ouverture plus rapide. Ok. On prend. Pas de sous, pas de sous. Et on poursuit parce que finalement on n'a rien de plus à faire. Si on pourrait prendre. Non, je pense qu'on était bon en flèche. Y'a pas besoin, les amis, y'a pas besoin. On était bon en flèche, il me semble, donc ça devrait le faire. Et on a plus qu'à avancer. Y'a peut-être d'autres trucs cachés. Je vais checker quand même. Pas l'air. Y'a pas l'air. Bon. Et là. Rien du tout. Très bien. Très bien. Bon, on avance. Hein. Finalement, on avance. Eh, il y a une caisse là, je l'avais pas vu. Je n'avais pas vu la caisse, les amis. Je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus. On va aller par là. Puisque c'est l'endroit qu'on nous indique de rejoindre. Et on va voir un petit peu. Défi de tombeau facultatif à proximité. Explore le site pour trouver l'entrée. Ah ouais. Et vous pensez que c'est indiqué sur notre minima? Je pense que maintenant, du coup, on doit avoir une indication. Alors là, par contre, le saut me paraît un petit peu compliqué. On va prendre un peu de... On va tenter de sprint, quand même. C'est bien ce que je pensais, c'était un peu chaud. C'est un peu chaud, j'ai sauté, je pense, un poil trop tôt. Je pense avoir sauté un poil trop tôt, malgré le sprint, finalement. Calme-toi, Lara. Hop. Malgré le sprint, je pense avoir sauté un peu trop tôt. Ah, là c'est mieux. Soudainement c'est mieux. Oh. Une galère de guerre byzantine. Comment est-elle arrivée là? Bonne question. What the fuck? D'accord, très bien. Je vois que l'on peut accéder par là. Très bien. Et hop. On grimpe. Easy. Alors le défi tombeau ne doit pas être loin. Là, ils disent. Et hop, double saut. Normal, tout va bien. C'est mongol. Mais ils sont bien passés par là. Je dois pas être loin de la cité perdue. Ok, donc le défi tombeau facultatif est ici. Et hop. Nickel. Très bien, voyons voir. Peut-être qu'on va obtenir de nouvelles facultés mongoles. De nouvelles compétences.
On va voir. Le vaisseau de glace, c'est un défi tombeau facultatif. Il doit y avoir quelque chose là-haut. C'est obligé, ça c'est trop classe. Franchement, le vaisseau à moitié coincé dans la roche finalement, et dans la glace, en mode à la verticale, c'est vraiment super classe, les amis. Y'a pas à dire, c'est carrément classe. Par là. Là y'a un truc. Et hop, je sais pas si ce que je fais c'est worse tout de suite du moins. Oh, calme-toi. Je me suis planqué, je me suis dit que cet élément du décor ne serait pas destructible. C'était peut-être une erreur de ma part. C'était une supposition un petit peu chelou, mais... Une supposition quand même. Je dois trouver un moyen de briser la glace. Un moyen de briser la glace. Le mariage là est perdu. Je dis ça. La glace a cédé et sa coque s'est brisée en deux. Qu'importe. Je ne pourrai pas pointer ses canons sur le faux prophète comme je l'espérais. Mais nous allons continuer à pied. 6 des plus éminents membres de l'Ordre de la Trinité m'accompagnent. Et nous avons rassemblé des vivres et du matériel en affamant l'équipage. Ah d'accord. Ils ne le savent pas encore. Mais ils vont donner leur vie pour la cause. Mes hommes et moi réussirons à sortir de ces cavernes de glace et reprendrons notre route. Avant que le navire ne soit englouti par la glace, nous avons entendu de la musique venant du sud. Ce sera notre première étape. Mais avant, je dois me reposer. Le froid transperce mes os et je suis fatigué. Dormir, juste un peu. Très bien. Ok. Double saut, les amis, double saut, toujours. Faut qu'on calcule un petit peu comment on se déplace. Parce que là, c'est bien, mais je suis pas sûr que ça me serve à grand chose. Calme-toi. Par là, il y a possiblement un truc, on va aller voir. C'est pour ça qu'on peut faire un double saut, genre en mode chelou, là, comme ça? Non. Ouais, c'était trop bizarre. C'était genre impossible, genre peut-être je voulais sauter sur le mur puis rebondir de l'autre côté, c'était improbable. C'était totalement improbable. Je dois trouver un moyen de briser la glace. Moyen de briser la glace. Regardez, il y a des crochets là-bas. Serait-ce pas un machin fragile qu'on peut péter? Non, je pense pas. Hein. Je doute que ce soit ça, que ce soit le cas. Donc ça devient pas rouge, donc... D'autant que ça ne vient pas rouge, donc c'est pas logique. Donc pas de double saut ici. On va quand même tenter d'aller en face. Juste histoire de voir. Parce qu'on dirait en effet qu'on peut monter là. Je sais pas si ça sert à quelque chose. Je ne pense pas d'ailleurs que ça sert à quelque chose. Ok, y'a rien ici. Je pense que ça sera pour plus tard. Non, non, ça sera pour plus tard. Bon, je pense qu'on va faire ce qu'il nous conseille, c'est-à-dire d'aller là. Faire le double saut ici. Oh, c'est même pas un double saut. Finalement. Mince. What? What the fuck? C'est forcément là. Non. Ouais. Redescendre peut-être. Je pense pas. En vrai, j'en sais rien du tout, les amis, là pour le moment. Je réfléchis, mais je ne vois pas trop de solutions pour le moment. Toute cette glace est un peu bloquante. J'imagine que je peux pas faire ça. Non, c'est pas possible. Je peux pas faire ça non plus. Ça a failli être terrible comme move. Ça a failli être terrible comme move. Vraiment. Je peux rien faire ici. Je n'ai pas d'éléments explosifs ou quelque chose du genre. Trouver un moyen de briser la glace. J'ai pas de... Je peux peut-être pas le faire pour le moment en fait. Je sais pas. Pire, on y reviendra, c'est pas grave, mais descends là. J'ai peut-être pas le moyen de le faire pour le moment. Trouver un moyen de détruire la glace. Attendez. Et par là. Allez. En passant par là, je pense qu'on peut lui sauter dessus au machin.
Nickel! Parfait! C'est donc pas une histoire de... Oui, ça a marché. What? C'est terrible ce move encore une fois. Souvent que je fais des moves un peu terribles hein, quand même. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à l'autre élément là-haut? Il a pris de la hauteur, j'imagine. Ouais, c'est ça, il a pris de la hauteur. Ok. Donc là, normalement, je peux grimper par ici. Ok, très bien. Hop. Bah, évitons de faire les idiots. Là, il y a un élément. Touche d'action, les amis, touche d'action. Là, il faut tourner, là. Ok. Je vois pas trop l'intérêt pour le moment, mais... J'imagine que si je relâche, ça remonte. Ok. Ouais, chaud patate dans l'idée. Voyons voir. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Un élément là-bas. Ils nous disent qu'il faut détruire ça. Je dois agir au bon moment. Ça, j'ai bien compris. Ça me chaud quand même. Faut que je le fasse descendre jusqu'en bas et faut que j'essaye de sauter dedans au plus rapidement possible en fait. Le truc c'est que j'ai l'impression qu'il se relâche trop vite en fait. Et là on fonce. Ça me paraît chaud patate. Ouais c'est pas possible. Pff, remonte. D'ici c'est pas possible du moins. D'ici c'est pas possible. J'ai été de faire des bêtises. Ça passe quoi si je peux rien mettre là-dedans j'imagine. Ouais je peux rien mettre. Je peux pas augmenter le poids de cette plateforme. Pour ralentir un petit peu le bazar. Vraiment que ce soit de l'autre côté qu'il me faille aller, mais je ne pense pas. Il n'y a aucun risque que ce soit de l'autre côté. Je vais essayer d'agir au plus rapidement. Ça me semble compliqué. C'est bon en fait, c'est tout bon. C'est juste tout bon. Merde. Je sais pas pourquoi je me suis lâché comme ça dans le vide subitement. J'aurais peut-être dû attendre. C'était idiot. Ça me l'a validé ou pas, vous pensez? J'ai pas l'impression. Faut que je le fasse, c'est pas grave. Je le repousse au max. Hop, on lâche et on avance. On ressaute dedans comme des idiots. C'est parfait. Je suis passé à côté, vraiment? Vraiment? What the fuck? Ok. Ok, si tu veux. Y'a rien de complexe, les amis, hein, c'est juste moi qui mongolise. Y'a pas de soucis. Y'a pas de soucis, vous pouvez m'insulter dans les commentaires si vous voulez même. C'est juste moi qui mongolise. Terrible! Mauvais à ce point-là. Pourtant, enfin, je l'ai fait hyper bien la première fois. C'est super bien passé. Juste avant de relâcher le machin, ça s'est pas bien passé. Vas-y, grimpe. Merci. Maintenant, j'aimerais savoir quand est-ce que je suis censé relâcher ce machin-là. Ok. C'est bon. Super. Allons voir ce qu'il y a là-haut. Ok. Bon. Ouais, rien de compliqué en fait. Hop. J'ai bien cru que j'allais encore tomber. Ça aurait été terrible. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Non, c'est plus rapide d'agir comme ça plutôt que de grimper tout le temps. Allez hop, monte. Monte, please. Tu vas y arriver, y'a pas de soucis là, y'a pas de soucis, tu peux le faire. L'intérêt c'est d'essayer de pas se planter. Voilà, parfait. Puis tu grimpes, hein, y'a pas de soucis là, tu grimpes. Et hop, qu'y a-t-il là-haut? Oh, c'est beau! Magnifique! Des pièces, je les avais bien grillées celles-là. Ça alors, pourquoi transportaient-ils toutes ces richesses avec eux? Pas pour me les donner, évidemment. Quelle question. Des flèches. Je suis full flèche là. Là c'est pour se barrer, retourner du coup à l'histoire. Qu'y a-t-il donc ici qui puisse me servir? Ce codex détaille les techniques d'archerie des ennemis de l'Empire byzantin.
C'est cool ça, est-ce que je vais apprendre du coup de nouvelles compétences? Ah oui, 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 des compétences anciennes. Tire rapidement deux flèches successives pour sans avoir recours au carquois. Effectue un tir rapide en appuyant rapidement sur RT et en relâchant après avoir tiré la première flèche. Ok. Le spam click quoi, on vient de débloquer le spam click. Et on a terminé le vaisseau glacé. Après il y a peut-être encore un élément caché, regardez, il y a encore des éléments là, ici. Et là. Un dialogue. Augmente c'est fini. Compétence nous de allons grec. Mourir ici à cause de Caraldus et de la folie de l'ordre de la Trinité. Mon navire ne voguera plus jamais sur l'océan. Nous nous sommes aventurés sur la mer de glace alors que l'hiver était trop avancé. Nous aurions dû rebrousser chemin. Mais Caraldus refuse de renoncer à ce prophète perdu. Lui et ses guerriers impitoyables ont pris le pouvoir. Il nous a forcés à naviguer sur des affluents peu profonds, jusqu'à ce que nous ne puissions plus avancer. Ensuite, mon équipage a dû construire des luges et traîner le navire sur terre. Ceux qui refusaient d'obéir, il les menaçait de mort et d'excommunication. Mais nous étions condamnés de toute façon. Je vais m'assurer qu'il meure ici, avec nous. Je garde toujours un peu de poison, au cas où le navire se ferait attaquer. Je lui ai trouvé un nouvel usage. Ok. Très bien. On est quasiment niveau 2 en grec, vous avez vu? C'est top ça. Il y a encore des trucs là. Attends. Ça. Ça, je l'avais pas vu. Carte mise à jour. Nouveau document et lieu révélé. Les secrets ont été révélés. Les secrets de la zone. Vous pouvez voir grand chose, j'imagine. Il y a un trophée là. Une relique. Donc ça, on va le focus. Parce que c'est le seul truc qui nous manque finalement. On va essayer de pas se planter. En sautant ici, je pense. Ça. C'est ça. Ici. Hop, nickel. Nice. Une broche byzantine. Les mailleries splendides. Ce portrait a été effacé. On dirait qu'il représentait le prophète. Ils devaient être obligés de dissimuler leur foi. En même temps, vu comment étaient les trinitaires, il y a peu de risques qu'ils aient eu autrement le choix. Hop, par là. Nickel. Très bien, très bien. Très bien, on avance du coup les amis. Un petit temple secret, le scénario qui reprend, quelques petites erreurs, mais rien de grave, rien de très très grave. Ouais, c'est par là. Par là, par là. Pas trop le choix, vous me direz. Je regarde de temps en temps quand même qu'on n'ait pas d'éléments cachés qu'on viendrait à louper. Regardez là, des pièces. Merci. Et hop, on glisse. Non. Si. Ah non, de l'eau gelée. De l'eau gelée. À nouveau. Tu peux plonger la race, s'il te plaît. Merci. Droite ou gauche? Remonte là. Ah merde. Y'a pas de moyen de remonter là? Remonte! Sérieusement? Ah, ça a été rapide! On meurt rapidement hein, dans ce jeu quand même. Hein. Je sais pas, ça fait combien de fois qu'on meurt là, mais. On a pas le temps d'explorer. Hein. Allez, c'est parti. On nage. J'avais pas aperçu d'endroit où remonter à la surface. Là. Remonte. Nickel. Ça va, ça s'est pas trop mal passé. Un échec, un succès, tout va bien, tout va bien. Il y a énormément de petits trucs hein, quand même à collecter. Il a traversé les terres des Russes. Bon. Je n'arrive pas à me défaire du sentiment qu'il me nargue, attendant que je ne sois plus qu'à une journée de cheval pour repartir. Je ne serai pas rentré pour l'hiver comme je l'espérais. Je me suis arrêté dans un petit village au bord d'un lac gelé qu'ils appellent Svetloyar. Le prophète a prêché ici, et les villageois refusent désormais de m'héberger. J'ai dormi sur les berges du lac, où un jeune homme arborant une icône rudimentaire du prophète a tenté de m'assassiner dans mon sommeil. Je l'ai tué pour en faire un exemple. Et maintenant, les gens me jettent des regards noirs et me crachent dessus quand je passe. Je dois faire vite. Le fléau se répand. Ouais. En fait, le mec, il a laissé... Enfin, partir, c'est pas le mot. Il a perdu tous ses parchemins sur la route, quoi. C'est... Il a écrit des parchemins, ils se sont tous éparpillés un peu à la what the fuck. Quand même impressionnant quoi, le gars il fait vraiment pas attention à ses affaires quoi, c'est pas possible.
Je me demandais, les amis, vous allez me dire dans les commentaires ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez que je vous laisse les petites scénettes comme celle-ci, avec les petits pans d'histoire, machin? Ou est-ce que vous préférez que, histoire qu'on s'intéresse plus à la trame principale de l'histoire et pas forcément aux petits détails, on aille plus vite finalement et on passe les petits dialogues, enfin c'est pas vraiment des dialogues, mais les petits monologues qui sont écrits sur chacun de ces documents. J'ai envie de sauter là, de faire un double saut, je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Un feu de camp, bien. Bien, bien, bien. Toujours bien le feu de camp. Ça pue toujours les cinématiques. Ah, c'est la copine qu'on a vue. Je ne suis pas ton ennemi. C'est à moi d'en juger. C'est toi qui as tué ces hommes là-bas. Eh ouais. Ils ne m'ont pas laissé le choix. Tu connais ce genre de dilemme. Ça fait longtemps qu'ils sont là? Quelques jours. Ouais, quasiment la même tenue que nous. Ces envahisseurs ont capturé beaucoup d'entre nous. Tu devrais quitter cet endroit, avant qu'il ne soit trop tard. Je ne peux pas partir. Je suis venu faire quelque chose d'important. Je suis sûr que aussi. La prochaine fois que je te vois, je te plante cette flèche dans la gorge. Mais oui, c'est ça. Toi et moi, on est dans le même camp. Laisse-moi juste le temps de te le prouver. Et hop, la flèche qui part dans la gorge. Qu'est-ce que... C'est pris pour Batman, le temps qu'on tourne la tête, elle a disparu. Non, il y a un peu de camp là, tu te calmes, on se pose deux petites minutes. Il y a donc des gens qui vivent ici. Ils sont installés depuis très longtemps. On n'a pas de tiré de flèche, donc munitions, on n'a pas. Ils vivent en autarcie depuis des décennies, voire des siècles. Et en termes d'équipement, on peut rien crafter. J'ai remarqué certains éléments de sa robe, de petits ornements qui n'auraient pas détonné à l'époque de l'Empire byzantin. Ok. Se peut-il qu'ils soient des descendants du peuple du prophète? Que savent-ils au sujet de la cité perdue et de la source divine? Et on n'a pas d'amélioration, je crois, pour les arcs. Il est clair que les Trinitaires ne reculeront devant rien pour le découvrir. C'est bizarre, c'est qu'on ait déjà toutes les tenues débloquées. J'ai peur qu'ils courent un grand danger, qui qu'ils soient. Ok, bon bah, on s'arrête pour cette partie-là. La région, elle est grande, cette région. Il y a tellement de trucs. Ça va être infâme de tout trouver. Il va nous falloir rapidement, c'est une carte. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça doit être les câbles qui nous permettent d'accéder d'un endroit à un autre. Si on arrive à obtenir rapidement... Si on arrive à rapidement accéder à chacun des... Enfin à la carte tout simplement, on arrivera finalement rapidement aussi à obtenir les différents éléments cachés. On va tenter quand même d'en obtenir quelques-uns. Si on peut au passage, parce que genre là je suis sûr qu'il doit y avoir des trucs. Je sens un petit peu. Ou pas. Finalement, ou pas. Bon. Déception. Déception, il n'y avait rien. Donc là c'est pour remonter en haut du coup. Un côté remonter en bas, hein les amis. Voilà. Je suis quand même curieux de savoir ce que les lapins donnent. Merde. Je l'aurais pas. Mais lui il est au repos, regardez. Si lui on a pas, c'est quand même terrible. Qu'est-ce qui... Que loot les lapins? Oh, une peau. Un peu décevant. Bon, c'est pas si ouf que ça les lapins. C'est vachement dur à choper et finalement ça donne beaucoup moins que les biches. Ok. Hop, le coffre, please. Pas le temps de tout voir. Pas le temps de tout voir. Ah. Du bois, c'est hyper utile, c'est pour les flèches. Je peux pas faire grand chose pour l'instant. Ah, ça c'est compliqué, à part le fouiller. Tu veux pas le fouiller? À toutes les unités, voilà nos ordres. Il n'aura pas fallu 2 jours en Sibérie pour que ça arrive. J'ai passé 2 ans en Afghanistan, et 1 an en Indonésie, et rien. Mais après à peine 1 jour ici sur la glace, et voilà que je descends ma toute première cible. J'ai regardé le regard de cet homme se voiler, alors qu'il me suppliait de faire quelque chose. Aucune idée de ce qu'il disait, je suis pas russe.
J'ai attendu à ses côtés tout en l'observant. Il était là. Puis la seconde suivante, plus personne. Juste un tas de chair. Je vomis dans la neige au beau milieu du sang du gamin. Oh, super. Il n'est plus qu'un tas de viande et moi, je suis en vie. Constantin ne cesse de répéter que nous sommes ici pour une raison précise. Que nous remplissons une mission divine. Je commence à comprendre ce qu'il veut dire. Ok. Constantin a quitté la prison. Et ça, on a quand même un minimum discret. Il faut qu'on fasse un peu de ménage avant qu'il arrive. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend ? Putain, il faut vraiment qu'on rétablisse la liaison. Un ennemi. Est-ce qu'il va bouger ? Je pense qu'il va finir par bouger. Non. Le truc, c'est que je... pile au moment où je vais me découvrir, vous allez voir. Non, c'est bon. Nickel. J'allais dire, pile au moment où je vais bouger, à tous les coups, le mec il va se retourner, ça m'arrive tout le temps. Ah, on a obtenu une compétence. Évidemment, maintenant on n'est plus au feu de camp, donc c'est un petit peu emmerdant. Et retourner, ça risque d'être un peu chiant aussi. D'autant que je suis pas sûr que ce soit hyper intéressant tout de suite de récupérer un peu le loot ou pas, pensez. Non, je l'ai tué discrètement. Ça a dû le loot automatiquement, mais j'ai pas fait attention. Objet de diversion. Faut quand même que je fasse attention. C'était hallucinant. Un enfoiré avec une hache, avec trois mecs armés devant lui. Rien que ça. Je sais pas comment ils ont réussi à en capturer un vivant. Mais c'est qui en fait ces gens? D'après l'équipe de Reco, il y a un vieux village sur la montagne. Oh, par là. Eh ouais. Il est mort, ton pote. Il aura pas le temps de finir sa phrase. Je pensais que si je me prépare... Ouais non, je vais le laisser s'avancer. Je vais tenter de le laisser s'avancer et de le prendre par surprise, ça serait bien. Si je peux, si l'icône s'affiche, je lui saute dessus. Là. Nickel, voilà. Deuxième assassinat silencieux. Parfait. La concentration était là et on a loot. En plus, on a loot. Donc dans l'idée, normalement, on est bien. À moins qu'il y ait d'autres ennemis que je ne vois pas pour le moment. J'ai pas l'impression, J'ai tendance à pas être assez attentif. Donc faut que je fasse gaffe quand même. Parce que je me connais. Et fort possible qu'un ennemi me surprenne en mode hey, « Eh oh, en fait, j'étais là !» Je me connais, je me connais. Je loot, hein, j'hésite pas. Faut pas hésiter, c'est comme ça, loot. Il y a des caisses, mais ça c'est trop genre la gourmandise. On se met devant une porte ouverte, et bim, on loot la caisse, et en fait, il y a un type. Je sais pas du tout comment m'accroupir, ça qui m'embête un petit peu. Avoir une touche pour s'accroupir, genre c'est pas possible. Attendez, je check qu'il n'y a pas un type par là, mais j'en vois pas. Je sais pas si je peux détruire cet élément, je ne pense pas. J'essaie de rester un peu prudent. Il y a des buissons, mais c'est pas des buissons dans lesquels on peut se cacher. Cela, je loot toujours, les amis. On est un petit peu plus focus et concentration dans cet épisode. Et là, c'est un buisson dans lequel on est censé se cacher. Si on se cache pas, ça veut dire que probablement. J'ai vu que ça brillait là. Ouais. Ça brillait en effet. Ce qui augmente notre expérience et nous donne du papier. Si on est... S'ils nous mettent pas à couvert lorsqu'on est dans ce type de feuille, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ennemis. Donc on est plus ou moins safe pour le moment. Ils veulent qu'on aille par là, j'ai l'impression. On va aller par là. Hein. Écoutez, on les écoute. Ça, c'est une grille de double saut. Ouais, je le sentais bien comme ça. Cinématique. Il y en a d'autres qui arrivent. Alors, examiner la zone d'atterrissage de l'hélicoptère. Vous pensez que je suis safe là où je suis? Je crois pas deux secondes. Est-ce que je descends? Est-ce que je prends le risque de descendre maintenant? Ou alors est-ce que je check un peu la zone comme ça? Je vois pas d'ennemis à première vue. Après, je suis peut-être aveugle, ce qui est possible aussi. Là, à première vue, je vois pas d'ennemis. Ouais. Mince. Vite, un buisson. Ils sont pleins de munitions. Faut pas se permettre de les perdre. On peut durer dans la zone. Quelques minutes pour le plan. Je pense qu'il y a rien à faire. Ah, il est mort. Comptez pas trop là-dessus.
rester sur vos gardes tant que les transmissions sont pas rétablies. Ok, on en a eu un. Je peux me permettre de loot, je pense pas qu'il me voit à cette distance. Je devrais pas vous le dire. Je capture un natif vivant pour pouvoir l'interroger. Nickel. Peut-être même que lui peut pas encore me repérer. Parfait. Il y a encore un qui cherche, qui farfouille. Moyen que j'arrive à le choper. Ah, je suis repéré, je pense. Ah, je suis repéré. Il est là-bas, le mec. Je suis repéré. Merde, je le vois pas. Lui, je le vois très clairement, donc lui, je vais essayer de le fumer. Il est mort. Il y en a un qui est au bout et je le vois pas. S'il est là, ça y est, je l'ai vu. Je l'ai vu, mais c'est chaud. Bon, je suis à nouveau discret, c'est que je suis à nouveau plus repérable. Pour un temps, du moins. Ça va, on n'est pas trop mal sorti. Là, ce qui va être chiant, c'est les flèches, quoi. Je pense. C'était pas hyper. Je veux dire, c'était pas la... l'infiltration la plus discrète. Je pense que si on peut encore se dissimuler. Non, on peut plus se dissimuler. Donc, c'est qu'il n'y a plus d'éléments. Enfin, il n'y a plus d'ennemis qui peuvent me repérer. Finalement. Là, il y a plein de cadavres qu'on récupère. Là, il y a ça. Je peux rien de faire ce truc-là. Là, il y a des plantes. Et une caisse. Ok. Donc du loot, ça va nous permettre de régénérer un peu, mais pour le moment j'ai pas l'impression que ça aille hyper mal, donc on est bien, on va pas trop se prendre la tête. Je sais pas trop à quoi ça peut me servir. À lancer. On peut, ouais si ça, ça explose, ça prend feu. Il y a un mec planqué. J'ai pas trop farfouillé la zone, hein, mais j'ai pas l'impression que la zone soit vraiment farfouillable de ouf. Je sais pas, je prends pas le risque. On va dire que je prends pas le risque. Il est là le mec que j'ai buté. Allez. Nickel. Ça c'est bon, c'est good. Parfait. Comme on l'a eu, il a rien pu faire le pauvre. Faudrait pas qu'il y en ait souvent qui nous arrivent dessus comme ça. Ça serait assez terrible parce que là ça s'est bien passé mais ça sera pas le cas à chaque fois. Ça je vous l'annonce. Hein. Ça ne se passera pas comme ça à chaque fois. Là je suis grave focus les amis, donc désolé si je parle un peu moins. J'essaie de faire un peu moins de conneries quand même que d'habitude, que d'accoutumé. Possiblement repéré. S'il va passer par là, c'est pas possible. Il est où ? Je vois pas. Je vais être honnête, je pense qu'il est là. Ouais, il est là. Je suis bon, moi je le fais focus dans ma direction. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je sais pas du tout pourquoi j'ai fait ça, les amis. Au moment où je vous laisse ça, ça va nous permettre de nous calmer 2 minutes. Mais je pouvais pas refuser ce contrat. Ça fait des années que j'essaie de décrocher un job pour les Trinitaires. Ils sont discrets, paient bien, et il y a toujours quelque chose à faire. Mais maintenant que j'y suis, je veux tout plaquer. Nous sommes dans une installation soviétique désaffectée au beau milieu de nulle part. Personne ne dit ce qui se passe aux Troussions que nous sommes. Mais je me demande si je suis pas en train d'aider une bande de cinglés à mettre la main sur une bombe nucléaire ou un autre truc dans le genre. Réponds-moi si tu reçois ce message. J'ai sécurisé un canal sur le réseau. J'aurais imaginé qu'une opération de cette envergure aurait un système de sécurité digne de ce nom. Mais ce doit être pour ça qu'ils m'ont engagé. Ok. Encore une fois les amis, n'hésitez pas à me dire si vous voulez ces détails ou si vous ne voulez pas. Je préférerais qu'on joue le scénario plutôt que...
J'ai surtout envoyé l'hélico. What the fuck. Il est toujours là. Je pense que je peux l'avoir là. Easy. Easy, easy. Et là on a découvert. Donc si on a découvert, c'est qu'il n'y a pas d'ennemis. Je pouvais récupérer des flèches sur ce mec là, ça serait cool. Voilà. Je récupère plus de flèches limite que j'en dépense. Pièce de pistolet semi-automatique, 2 sur 4 trouvées. Peut-être bientôt débloquer un gun. Pas grand chose d'autre pour le moment. Je pense qu'on a éliminé à peu près tous les pégus qui se trouvaient dans la zone. Elle saute. Grimpe Lara, grimpe. Ok, d'accord. Hop. Nickel. Ça va le faire. Elle saute. Pourquoi dans cette direction, Lara, tu m'expliques? J'ai pointé le stick vers le haut, les amis. Et véridique, elle est partie à droite. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave, de toute façon, on reprend à 2 secondes. Hop. What the fuck. Hop. Bon, cette fois-ci, on va bien pointer le stick vers le haut. Allez, saute. Sois gentil. Ah, sur le côté. Non. What? Mais c'est soit au-dessus, soit sur le côté. Mais au bout d'un moment, décide-toi. Quand même. Ça va, ça va. Heureusement, le checkpoint n'est pas loin. On comprend pas trop. Si, je pense que c'est sur le côté. Non, je dirais que c'est sur le côté, moi, perso. J'essaye, je regarde. Surtout qu'il nous montre, genre, la caméra dans cette direction. Donc, je pense que c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Je sais pas, vous pouvez m'embêter juste avant. Et ensuite par là. Ok, très bien. Ok, très bien. Rien ici, ok. Bon, maintenant. On progresse, hein, vu que tout est fait pour que l'on puisse avancer. Hop. Alors là, il doit y avoir des ennemis, donc je me fous direct à couvert, on sait jamais. Je ne vois rien. Pas d'ennemis. Très bien, donc, du coup je fouille. Hein. Là, une caisse. J'en profite parce que ça se trouve, cette caisse-ci, elle sera peut-être plus accessible aussi facilement après. Une fois que la cinématique sera passée. Comme ça, je peux pas le détruire, donc vous êtes mignon, mais. Au moins que. Ah non, c'est ça. Hein, peut-être. Je ne peux pas détruire cette. Ah si, bah si, suis-je idiot. Là! Ok. Non. Ah bah lui il est mort, hein. Il est cané, hein. 100%. Hein. Un pistolet. Je préfère les flèches, hein, quand même, les amis. Dans l'idée, on aura beaucoup plus de facilité à crafter. Dans ma tête. Nickel. Tout s'est bien passé. Tout s'est extrêmement bien passé. Beaucoup mieux que ce que je pensais que ça se passerait. Mais si je préfère quand même les flèches, c'est discret. L'armée rouge arrive. Cela fait des semaines que je les observe. Tandis que des centaines d'hommes construisent le monstre de fer sur la glace. Beaucoup d'entre eux sont morts. Leurs corps gelés, éparpillés dans la toundra. Aucun rite funéraire, pas d'enterrement ni de crémation. Ces envahisseurs sont des hommes cruels et sans foi. Viennent-ils pour piller les métaux précieux de la montagne? Ou, comme tant d'autres avant eux, sont-ils attirés par la source divine? Mon peuple doit à nouveau se préparer pour la guerre. Ok. C'est bien d'avoir les deux points de vue, je trouve, par rapport à l'histoire. Connaissance linguistique améliorée, décryptage du russe, niveau 1 possible, mais c'est nouveau, enfin c'est pas nouveau le niveau 1, pardon. Niveau 1, ça fait un moment qu'on l'a. Avance. Ah, on est bloqué dans le personnage. Attendez, il y a du loot là? Non, il y a pas de loot, pas de loot du tout. Je pense pas qu'il y ait forcément non plus du loot sur les ennemis qui sont là-bas. Il peut y en avoir un petit peu, mais pas grand chose quoi. Ah, des balles quand même, on récupère. Ils l'ont capturé. On abrège ses souffrances, il est mort, on peut loot dessus.
Le gros serpillon, vous savez. Il est mort, on peut loot. Le crochet pour ouvrir une porte. On a pas encore le crochet apparemment. Ici une caisse. Une mitraillette. Ouais, on n'a pas encore hein, changé d'arme. La mitraillette, c'est pas pour tout de suite le truc qui spoil. Des balles. Et on a trop de flèches. Moi je préfère équiper l'arc un perso. À moins de gros gunfight, c'est plus intéressant je pense d'équiper l'arc. Là c'est dommage qu'on puisse pas accéder à cette zone. Sous ça, tous les coups je m'en rappellerai jamais quoi. Y'a aucune chance dans aucun monde que je me souvienne qu'il fallait que je revienne ici. Oh là, ça commence. Bah mal hein là, vu comment on est équipé. Je t'avais confié cette mission. Oui, monsieur. On s'attendait pas à autant de résistance. Tu étais censé être mes yeux. Tu devais regarder pour moi. Est-ce que tu as bien conscience de l'enjeu de cette opération? Oui, mais... Non. Je ne crois pas. Comment quelqu'un comme toi le pourrait? Oh, c'est sale. J'étais sûr qu'il ferait ça. Doucement. La souffrance. D'ici peu, nous toucherons au but, mais il faut que nous restions vigilants. Si nous y parvenons, un nouveau monde verra le jour. Un monde dont nous serons les créateurs. Constantin! Vous êtes attendu à la prison tout de suite. On a un captif qui a l'air d'en savoir long sur l'artefact. Restez fidèle, et vous partagerez la gloire de la source divine. Oh, le pauvre type, quoi. En plus, il lui a dit en plus. Il lui a dit, tu étais censé être mes yeux et bim, tu n'as servi à rien, alors je te les enlève. Sale. Oh là. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Que personne ne le touche. On a une nouvelle fuite de carburant. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ils sont tellement nombreux, quoi. Content. Je pense que la vanne va marcher. Allez, il faut stopper la fuite. Après cette attaque, on peut pas se permettre d'avoir plus de pertes. Ok. Oh, faut maintenir ça. Fouillez le secteur. Ils sont pas hyper nombreux, mais on doit quand même pouvoir en profiter pour les tuer discrètement. Je sais pas si lui là-haut à gauche, il peut nous repérer de là où il est. Ah merde, vous avez vu. Ok, bon là maintenant qu'on est plus très discret. Merde, c'est une grenade ça, non? Idiot. Il en reste un. Je sais pas d'où il nous a repéré, il nous en manque un. Ah, il est là. Ah, moi aussi je te vois, merde, trop. Vas-y, lève-toi, comme un idiot. Parfait. Merci. Il est encore vivant. C'est ça quand on vise pas la tête. Mais sérieusement, tu vas prendre 3 flèches avant de crever? C'est que je vise pas la tête, mais quand même. Bon là on est good là normalement. On est good. Putain, j'avais pas vu lui à gauche, j'étais en mode ouais je vais rester là, tranquille, pépère, posé. En fait non, pas du tout. C'était une très mauvaise idée. Enfin bon, fallait bien engager la situation à un moment où... Enfin, à un moment ou un autre. J'allais pas rester 3 heures à checker leur positionnement. Très clairement, c'est pas très rigolo. Donc je préférais lancer l'action. D'autant qu'il y avait plusieurs, à mon avis, façons de les buter. Je vois qu'il y a de l'essence par terre, donc il y avait peut-être une lampe ici. On aurait pu... Je suis sûr que, regardez. Je suis sûr qu'on aurait fait ça, ça aurait pu être drôle. Et hop, ça prend feu. Et puis... Merde. C'était la suite en fait. On vient me chercher. Ah merde, ça pète de tous les côtés. What the hell? Et mon loot?
le loot. Jamais, jamais oublier le loot. Merde, on tire dessus. Le gars. Il est là, je vois. Regardez-le, les amis. Regardez. Ce mec-là, il est mort. Sérieusement? Mais c'est des Russes ou quoi? Ils arrêtent les flèches avec les dents. Mais vraiment? Ouais, si je tire comme ça aussi, c'est sûr que... faut pas aller loin. Non, mais... je loot, hein. J'ai jamais oublié le loot, hein, les amis. Je peux récupérer des flèches au passage, ça peut ne pas être dégueu. Lui, ça lui a explosé dessus, c'était top. J'ai adoré. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode, les amis. Hein. Pas besoin d'aller plus loin. Pour un petit moment qu'on joue, je pense. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là. Je sais pas si c'est une bonne idée. Je sais pas où est la sauvegarde. Je pense que s'arrêter là, c'est une bonne idée, en vrai. Qu'en pensez-vous? On aurait pu tirer sur ce baril. En général, je suis sûr, les barils rouges, c'est un baril explosif. Regardez. Je suis sûr qu'on aurait pu tirer là-dedans. Voilà. Si j'avais été malin, hein, et que j'aurais pensé... j'avais pensé comme les codes de tout bon jeu qui se respecte, bah j'aurais tiré là-dedans. Et je l'aurais buté direct en fait, le mec. Bon, c'est pas grave. Maintenant, on sait que les barils rouges, c'est des explosifs. J'avais complètement zappé. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas joué au premier Tomb Raider. Et du coup, forcément, tous les détails du premier ne m'en reviennent pas. Et c'est sûr que, à mon avis, ça c'était un truc qui était déjà présent dans le premier. Bon. Du coup, les amis, on s'arrête là pour cet épisode. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo également, à me rejoindre sur les réseaux sociaux qui sont comme d'habitude en description. Sous la vidéo, bon visionnage à vous, c'était Kata, c'était ciao ciao.